Bonjour, je suis artiste sculpteur et je travaille le plexiglas. Alors, je suis originaire de Valoris, donc c'est la ville des potiers. Et petite, il y avait également beaucoup de verriers. Et donc j'ai fait un parallèle avec la céramique. Quand on la travaille beaucoup, elle devient toute molle, elle se tient plus la transparence du verre. Pour ça que j'ai choisi le plexi. Bah justement, ce qui est transparent, ça permet de voir derrière, de voir ce qui est un peu caché. Bon, j'aime voir ce qui est derrière, ce qu'on essaye de nous cacher pour découvrir ce qu'il y a dans un ailleurs même. Alors je vous présente en premier Cracked Red Eyes, qui est une œuvre vraiment emblématique. C'est un travail où on peut découvrir plusieurs techniques, dont une que j'ai inventée, la technique des empreintes. Il y a la technique aussi de la superposition et la technique d'ébullage. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle est toute craquelée et il y a même une partie cassée reliée entre elles par le morceau rouge, la plaque rouge. Alors, en fait, j'ai une idée qui me vient. Donc en l'occurrence, là, je souhaitais réunir les deux mondes par ce morceau rouge. Et bien évidemment, c'est vrai que la taille est importante. J'adore faire grand. Et si je fais de plus en plus grand. Je vous présente Oxalis, qui fait partie de l'installation Bouquet de fleurs. Il y en a trois autres de même dimension, de différentes couleurs, rouge, bleu et jaune, et la verte Oxalis, que j'ai exposée au Jardin Exotique à Monaco de septembre à fin octobre l'année dernière. Là, c'est une technique, donc on retrouve mes empreintes, les bulles, la technique de la thermosoudure, et c'est vraiment un travail très personnel. Mais les fleurs, en fait, quand on veut remercier quelqu'un ou dire je t'aime à son ami, c'est un bouquet de fleurs. Voilà, c'est vraiment ce geste qui m'a plu. Donc là, je vous présente ma dernière installation créée cet hiver, en novembre dernier, donc mes 9 météorites. En fait, il y a des spirales qui représentent la course de la météorite qui descend, qui tombe. Et donc, ce sont toutes des pièces uniques. Je suis Ray Renaudin. Je suis peintre depuis de nombreuses années, puisque j'ai commencé à peindre depuis les années 70, une action plutôt extrêmement figurative. Et depuis quelques années, j'ai changé complètement de direction pour me retrouver avec ce type d'œuvre. Je pense que c'est un petit peu dépassé de vouloir recopier ce que nos ancêtres peintres ont pu faire. Et il y a quelques années, à la suite d'une émission de télévision, tout simplement, sur les peintures rupestres, j'ai eu un déclic par rapport justement à ces mains posées sur les grottes. Vous remarquerez, dans toutes ces œuvres, il y a une énergie qui en ressort. Ce qui m'intéresse, c'est de donner de la vitalité. Et surtout, ce qui me comble dans cette peinture, c'est l'accueil que je reçois. C'est les gens qui adoptent une œuvre et qui viennent m'en parler après, et qui me disent que cette œuvre leur fait du bien, qu'elle leur donne du courage, qu'elle leur donne de l'énergie, certains même m'ont dit, cette œuvre a changé ma vie. Alors sur cette toile, bien c'est un petit peu la même chose. J'ai oublié de dire tout à l'heure que la première chose qui est imprimée sur la toile, ce sont des mains. Sur chaque œuvre, on va retrouver des mains qui sont cachées. En regardant de près, on va les apercevoir. Bon, là, je les vois très très bien, elles sont là. Et les gens les découvrent au fur et à mesure. Encore une fois, c'est un instant de magie. C'est un instant de magie qui intervient là dans l'atelier. On est là, on ne sait pas comment on va commencer. On a toujours une petite idée de la finalité. Mais en fin de compte, d'instant en instant, les choses évoluent. Donc, il est vrai que c'est une toile de...
C'est vrai que j'avais préparé ce fond d'un gris intense. Aujourd'hui, je ne sais plus pourquoi. Mais j'avais cette idée de représenter le maître et l'élève. Ce que je souhaite, c'est de ne rien imposer, tout simplement. Moi, je pars avec une idée. D'ailleurs, les toiles n'ont pas de nom, elles sont simplement répertoriées, elles sont numérotées de façon très très précise, de façon à être parfaitement identifiée. Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne puisse laisser courir son imaginaire. Je ne veux pas être l'artiste qui va imposer une direction. La vie commence. Les choses partent quelquefois très très haut, très très vite, et puis elles stagnent, quelquefois elles baissent, et puis elles repartent. J'ai voulu de la clarté, j'ai voulu de la lumière, sans rien, sans rien imposer, encore une fois. De la simplicité, de la lumière, de la clarté, j'ai voulu aérienne, cette œuvre. On remarque ici et là encore les mains qui apparaissent. Comme je le disais tout à l'heure, sur chaque toile en fond, on va retrouver les mains. Donc c'est le prémisme également d'un papillon, puisque j'ai eu une grande série sur les papillons. C'est la joie, justement. Il y a le côté joyeux du papillon. Quand on voit les papillons, c'est le printemps, c'est l'été, c'est la joie de vivre. Aujourd'hui, on vit quand même dans une période un peu morose. Pour moi, ça a été un éclat de joie.